Voici les bébés chefs, Ellie et Ashley. Elle est millionnaire depuis qu'elle est toute petite. Et Ash cuisine avec ce qu'elle a sous la main. Trop mignonne. Et elle rêve aussi d'ouvrir un café un jour. Waouh, les rêves se réalisent vraiment? Maintenant, Ellie est la propriétaire et Ashley son assistante. Mais il y a un truc qui va pas. Personne ne visite le café. Ça fait 22 jours sans client. Oh, pardon. 23. Hé, j'ai une idée. Je sais comment faire venir les clients. Écoute-moi. S'il te plaît. Oh, qu'elle est agaçante. Je sais quoi faire, c'est très simple. Tu verras. Waouh, bien essayé. Hé, venez ici. Pour seulement 1 $, vous pouvez avoir un burger délicieux. Hé, le café d'à côté donne des burgers gratos. Super, on y va. Bonne idée. Mais pourquoi? Écoute-moi, hé! Quoi? Une seconde. Tiens, regarde. Des hamburgers multicolores. C'est exactement ce qu'il nous faut. Ok. Et quoi encore, hein? Un gobelet avec des strass? Regarde, une patate papillon. Cool, hein, cette idée, non? Trop ringarde. Salut, Tom. Personne n'aime mes idées. Attends, regarde. Moi aussi, j'ai une idée. On peut vendre des Dalgona Candy, par exemple. Trop cool, non? Oh, c'est super dangereux. J'ai quelque chose pour toi. Tadam! Oublie mon idée. Et on fait quoi du biscuit? Autant le jeter. Cool, cette balle. Très bon service. Et encore un. Ça suffit, j'en ai marre de tout ça. Où est-ce qu'il va? Enfin, bref, on va ouvrir notre propre café. Mais on doit d'abord faire des travaux. C'est parti! On peut se lancer! A few moments later. Les amis ont fait du bon travail. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas. Tom est un peu confus. Ah, maintenant je comprends mieux. C'est beaucoup mieux! Vraiment trop stylé cette déco. Alors, on se met au travail. Ouais! C'était fermé et maintenant c'est ouvert. Ils n'ont plus qu'à attendre leur premier client. Much, much, much later. Bah, je comprends pas. Où sont les gens? Combien de temps s'est écoulé? Et où est Tom? C'est le farceur de l'année, celui-là. Oh, enfin! Un premier client affamé. Tiens, bon app! Ça a pas l'air de lui plaire des masses. C'est hamburger, ça? On dirait qu'ils vont devoir jeter les autres. Pas question! Le jaune, c'est sa couleur préférée. C'est trop bon! C'est encore plus puissant qu'une explosion nucléaire! Génial! Ça, c'est un déjeuner coloré. Incroyable! Il a tout mangé jusqu'à la dernière miette. Oups! Cet arc-en-ciel lui réussit pas. Mais les amis ont gagné une fortune. On peut dormir dans le café d'Ellie. Comme il n'y a pas de client. Mis à part l'adversaire imaginaire de Jamie. On se demande qui va gagner cette partie de morpion. Abandonne! Pourquoi j'arrête pas de perdre? Hein, et voilà! Ellie, arrête de glander! On est en direct du café d'Ashley. Elle vend des burgers multicolores et n'a même pas le temps de compter son argent. C'est appétissant et hyper tendance.
une mode vraiment délicieuse. Mais pas pour tout le monde. Quoi? Elle a un burger normal. Regardez bien. Sacré tour. Waouh! Waouh! Quel burger t'as choisi? Dis-le-moi en commentaire. Moi, je vais manger. Et maintenant, on va avoir une réponse à notre plus grande question. Combien d'argent t'as gagné? Waouh, impressionnant! Et moi, je suis son partenaire. Je peux dire quelque chose? Alors là, non! Ellie va pas laisser passer ça. Loser! Oh, qu'est-ce que je vais... Viens ici, le joueur imaginatif. Ellie a décidé de voler les burgers colorés de sa concurrente. Et d'ailleurs, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Oh, et voilà sa cible. C'est l'heure de passer à l'action. Oups, mauvaise porte. Hé, les amis! C'est le mien, ça! Le voilà! On t'a eu! On va filer! Oui! 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 Ouais! Hey! Jamie, qu'est-ce que t'as fait? Recrache-le tout de suite! Oups! Hé, vous deux! Vous avez vu qui a jeté mes restes? Quoi? C'est pas nous! C'est lui! Laisse-moi te faire un câlin! Jim crache mieux qu'il court, apparemment. Oh! Oh! Une cliente est enfin venue. Bonjour! Bonjour! Tu peux... Assieds-toi. Non, non! T'as mal compris, je... Peut-être de l'eau? Attends, je voulais juste savoir où... Qu'est-ce que c'est? Ce burger est périmé. Tu préfères un burger normal? Miam, miam! Arrête, j'en veux pas! J'en ai même un en or! Attends un peu! Et si on se plongeait dans une ambiance romantique? Pas de bougie! Arrête! Je veux pas... Miam! Une cuillère pour maman? Stop! Je cherche juste ce café. Celui qui a des burgers multicolores. Il est où? Il est au coin de la rue. Hé, hey, pars pas! Idiot! Encore raté. Deg! Mais qu'est-ce que c'est? Les gens de l'univers Troom font la queue pendant des heures pour avoir des burgers multicolores. C'est incroyable! J'y crois pas! Hé, hey, je peux passer? La pauvre! L'attente est si longue. Mais elle a un plan. Je vais te présenter quelqu'un. Une foule entière de Mr. Franklins. Oh non! J'ai déjà plein d'amis comme ça. Ici et là. Blablabla. Ok. Waouh! Elle lui propose d'échanger de café. Elle est prête à donner sa clé. Et le travail d'Ashley lui manque. Tout était si étincelant de propreté. Les clients étaient heureux. La caisse était remplie de dollars. Et Jamie avait quelqu'un avec qui jouer au morpion. Ok, elle accepte de revenir. Et bien sûr, elle prend Tom avec elle. Je prends celui-là comme souvenir, ok? Cette fille riche et rusée a eu ce qu'elle voulait. Maintenant, elle possède des burgers multicolores. Bonne chance, elle! One nap later. L'argent coule à flot. Oh, il y a plein de clients pas contents. Regarde ma langue! Il a mangé un burger et elle est devenue toute bleue. Le client veut un remboursement. Et celui-là est devenu riche à cause du burger. Encore des pertes! Hé, hey, je ressemble à Harley Quinn après avoir mangé ce burger, moi. Et voilà, la caisse retombe à zéro. Elle doit courir après les clients. Run!
Mais en tout cas, on dirait pas qu'ils ont envie de revenir. Ellie a perdu cette course au billet.